Salut tout le monde, c'est Eldezo et on se retrouve aujourd'hui pour la mage 1.13 et donc le DLC Vide Rêve. Donc je vais vous montrer tout ce que vous pourrez avoir, donc si vous voulez pas du spoil, ne regardez pas cette vidéo, hein. Je vais vous montrer tous les apparts, je vais tous les acheter et on va d'ailleurs commencer par ça. D'ailleurs je pense que le glitch solo qui avait en 1.12 a été patché car j'avais un moto à 700... Enfin, la moto qui coûtait 700 000 $, je l'avais juste là et elle a disparu. Donc, elle n'existe plus. Donc, on va aller sur internet, je vais voir où c'est que... Où sont les apparts, quoi. Alors, fais voir la liste des propriétés. Déjà, je crois que ça a changé. Ouais, ça a changé, c'est plus pareil quand... Mise à jour vide rêve, ouais, voilà, ils sont tous là. Donc, on peut avoir deux apparts. Ils en avaient pas annoncé 5? Ah si, c'est bon, il y en a 5. Ok, ils se trouvent tous en ville apparemment. On commence par... Non, allez. On va faire du plus petit au plus haut. Allez, celui-là. Il se trouve juste en côté un peu plus bas vers la plage. Allez, acheter. Acheter propriété. À la place du vide. Retour à la carte. On va acheter le deuxième, c'est pas grave, je rachèterai. D'ailleurs, je vous conseille de garder pour le moment votre appart à 400 000. Ça se trouve, pour les glitches, ça risque d'être vraiment très utile. Donc on va l'acheter aussi. J'ai fait plein d'argent hier soir avant de poser déjà une propriété si vous achetez celle-ci. Ah, c'est bon, allez. Ah, ils m'ont foutu à la porte. J'espère qu'ils m'ont laissé un véhicule dehors parce que sinon je vais devoir y aller à pied. Ou encore voler un véhicule et m'en trouver avec deux étoiles parce que ce sera un véhicule de Siméon. Ah, ça c'est chiant. Allez, eh ben non. On peut y aller, j'ai toujours autant de chance. Ah, ça fait plaisir. Du coup on voit deux petites maisons blanches sur la carte. Qu'est-ce qu'on va faire là? Ah putain, j'aurais dû la prendre. Je vais faire aucun coupage, je pense, comme ça vous verrez vraiment où se trouvent les appartements aussi. Donc attendez, je vais choper le véhicule et on va y aller vite fait bien fait. Donc attendez, on commence par lequel? Bon, c'est bon, il s'est enfui, il va pas me la carotte. On va aller à celui-là, le premier que j'ai acheté. Hop. Par contre je crois que celui qui coûte le plus cher c'est exactement le même dans lequel j'étais quoi. Du coup ça me fout un peu les boules. Parce que s'il est exactement pareil que l'appart à 400 000, sincèrement ça voudrait dire qu'ils se sont vraiment pas fait chier Rockstar et qu'ils nous en ont mis plein la tête pour pas grand chose. Parce qu'il faut savoir quand même que il y avait beaucoup de monde qui attendait cette mage et ce DLC. Allez. Putain, elle avance pas hein, cette carcasse. Ouais, ok. Donc celui-là, il existait déjà aussi. Ouais, bon. Apparemment le garage était pas plein. Ah bah oui, c'est mon second appart du coup celui-là. Déjà le garage, il a pas du tout changé. Donc oui, c'est. Il y en a ce garage. Enfin, cet appart existait déjà. Si je me rappelle bien, par contre, la cinématique a changé. Avant, c'était pas comme ça, je crois. Normalement, on se voyait dans le, dans l'ascenseur. D'ailleurs, s'il pouvait y aller un peu plus vite, ce serait cool. Voilà. Alors, est-ce qu'il a changé? Ah. Je suis pas sûr, mais je crois bien qu'il a changé, oui. Pas de beaucoup, mais... Donc à ceux qui ont su là, déjà ils pourront voir si ça a vraiment changé ou non. Ouais, ouais, il a changé, c'est sûr et certain. Ouais, il est plutôt sympa en fait. Ouais, ça va, j'aime bien. Je crois que je vais me faire la même chez moi. Il est plutôt sympa cet appart. Donc attendez, on va aller voir ce qu'il y a en bas, je vais tout faire visiter. On va commencer par celle-là. Ok, la chambre avec les petits rideaux. On peut les ouvrir.
Que dalle. Ah, il y a le dressing et là ça va être la salle de bain. Voilà, bon, salle de bain la même qu'avant. La chambre elle a un peu changé je crois. Bon, le dressing c'est le dressing hein. Toujours pareil. Et là qu'est-ce qu'on a? Alors là on aura une porte qui ne sert à rien. C'est juste au cas où. C'est jamais s'ils veulent rajouter une petite pièce. On peut les chier dans les plantes? Ah ouais, on peut les chier dans les plantes. Ça par contre c'est vachement bien pensé. Je kiffe. Bon ici on est déjà allé. Je crois qu'il y a une autre pote là. Alors fais voir. Hein? Non non non, je voulais pas appuyer sur croix. Bon pas grave, on va aller voir l'autre. Je suis pas sûr et certain qu'il y avait une autre porte à aller voir. Bon alors, tac. Donc j'étais avec cette voiture. Normalement je devrais pas voir Siméon. Carte. Hop, on va aller à celui-là maintenant. Voilà. Ah, c'est de l'autre côté. Hop. Et je voulais vous proposer cette vidéo aujourd'hui, enfin directement après la sortie du patch, enfin de la Majin Pond 13 et du DLC Vide Rêve. Puis j'ai un gros bug avec ma chaîne YouTube, je peux plus du tout aller dessus là. Du coup je me retrouve couillonné. J'avais une autre vidéo aussi à vous faire, parce que pour ceux qui l'ont vu, j'avais ma vidéo sur Black Ops 2 et Ghost du jeu de la 106. J'avais proposé de la faire en MME du coup en multi. Sur Ghost avec 206, donc 20 kills, 206 et tout ça en positif. Je l'ai réussi et je peux même pas vous le proposer, donc ce sera pour après. Alors on va bientôt arriver. Hop. C'est ici. On rentre par où? Ça va être ici. Ouais. Gagne. Ouais. Il y a des petits palmiers devant. Un petit côté rouge. Pour faire stylé. On va voir s'ils sont tous pareils. Ok. C'est pas pour être méchant, mais ils ressemblent vachement. Ouais, il n'y avait pas de porte ici tout à l'heure. C'est ce que je voulais savoir. Oh là là, c'est exactement le même. Bon, on va pas revisiter, hein. Je pense que ça sert à rien. Bon, allez, si. On va le faire vite fait, bien fait. Il n'y a pas grand chose qui change, je pense. Bon, j'ai pas regardé, mais en général, il change juste 2-3 quarts. Genre là, le tapis, je crois qu'il était pas comme ça. Je crois que c'est la seule chose qui change. Ouais, voilà. C'est le même. Allez, ouvre-toi. Et le cadre aussi au fond, là-bas. Bon, on va acheter une nouvelle maison. Non, c'est pas là. Voilà. Alors, c'était sur Dynasty. Voir la liste. Donc, on va acheter celui-ci. Acheter... Hop, à la place d'El Perro. Ah, celui où je suis maintenant. Bon, ça va me virer normalement. Ah ben non, 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 c'était celui que j'ai acheté. Non, c'est vrai. C'est bon. Hop, il me... Hop, pardon. Pourquoi il me reste 3 achetés alors que j'en ai déjà acheté? Attendez, que je me trompe pas quand même. J'en ai acheté 3 là au total. Pourquoi il m'en reste 3 encore? J'en avais vu 5 tout à l'heure. Del Perro. C'est celui que je viens de remplacer. Ah, ils ont dû me le remettre vu que j'étais plus dedans. Donc allez, acheter. Alors, est-ce que c'est celui que je viens d'acheter? On va voir. Non. Normalement, je l'ai pas. Hop, on va aller voir aux deux nouveaux apparts. Et ensuite, il restera plus que... le petit cinquième, donc le plus stylé. Hop, je vais quand même vérifier que j'ai pas fait de conneries. Il est où le dernier là, parce que je le vois pas. Ah, ils sont tous les deux à côté, c'est pour ça. Hop. Bon, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire quand même. Après, je vais vous faire les customisations de toutes les voitures.
Donc je sais même pas ce qu'il y a d'ailleurs. Franchement, je me suis pas du tout intéressé toutes les infos qu'il y avait sur le DLC ou quoi que ce soit, parce que ça m'énerve tellement tous les gens qui font des vidéos sur les DLC. Ouais, il va sortir ce jour-là et tout, après ça fait des rumeurs, après ça fait ceci, cela, et puis au final, ils sortent jamais les packs. Du coup, moi ça m'énerve et j'ai même pas envie de me renseigner, parce que pour moi, à chaque fois qu'ils font des infos sur les DLC et compagnie, c'est juste des conneries. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ferai jamais des infos au DLC. Si c'est pour vous dire n'importe quoi, ça sert à rien, je trouve. Ils sont vraiment pas sérieux. Bon, en fait, vous pourrez choisir un nouvel appart avec juste des tapis différents et des tableaux différents. Vous pourrez aussi choisir là où se trouve l'appart, sinon rien ne changera. Rockstar. Merci Rockstar. Toi déjà je peux te virer. Ah mince, je sais pas du tout dans lequel je suis. Bon bah du coup on va aller voir l'autre. Ah, je suis un peu déçu moi personnellement, parce qu'ils sont tous pareils au final. J'ai même pas envie d'aller les visiter quoi. T'achètes celui qui est le mieux placé et puis basta. Hein. Bon bien sûr je vais vous chercher là sûrement avec l'arrivée des deux apparts en même temps. Franchement il va y avoir je pense des tonnes de glitch. Pardon madame. Merci madame. C'est juste le tout dernier appart, celui qui coûte 500 000. J'espère qu'il est changé parce que sinon ça va me foutre les boules. D'ailleurs je me demande si on peut acheter, parce que vu comme je vous ai dit c'est dans des apparts que je connaissais déjà, que je savais qu'ils existaient déjà dans GTA V. Je me demande franchement si on peut en fait ok c'est là, si on peut avoir deux apparts dans le même immeuble. Ah c'est pas l'entrée, je me suis gouré. Ah mais ça va être là. Bon, on va aller voir, on va faire un petit tour. Vite fait, bien fait. Hop. Bon, désolé, je m'allume une clope. Hein. Et encore une fois, c'est le même avec des tapis différents. Eh sérieusement, premier appart ils étaient en gris, deuxième ils étaient en bleu. Le troisième je me rappelle plus exactement et là ils sont orange. C'est du foutage de gueule. Ils se sont vraiment pas fait chier. Bon, on retourne sur internet. On a dit Dynasty 8. Bon, le dernier j'espère qu'il sera différent parce que sinon... Alors je me rappelle que j'avais eu Del Perro. Eclipse Tower, ça je les ai déjà. Ah là là, ils se mélangent après qu'on les a achetés, je crois. Du coup, ça me retourne le cerveau. Toi, t'es nouveau, mais je t'ai déjà acheté Del Perro. Ingritty Way. C'est la part rouge. Je vais pas retourner dedans, hein. Je suis sûr et certain de l'avoir déjà eu. Ah ouais, non, non, ça se voit. Quand vous l'avez pas acheté, en fait, il y a un carré orange autour. Voilà. Donc, ce sera plus facile, là. Il me reste que celui-là à avoir. Donc, hop. Je vais le prendre à la place de... Non, je vais prendre le secondaire. Et d'ailleurs, on va regarder de suite si c'est possible ou pas d'avoir deux trucs en même temps. Donc, je vais me racheter le 400 000. Allez, on essaye. Eclipse Tower numéro 3. Et là, hop, voilà. Et du coup, je sais pas du tout comment ça va se passer, parce que vu que j'ai... Bon, ça a marché, hein. Mais vu que j'ai mes deux garages dans le même garage, entre guillemets, ça se trouve, il va y avoir un vieux message pour me dire dans quel garage voulez-vous rentrer? Le numéro 1 ou le numéro 2? Et ça, je le sens gros comme une maison. Il va y avoir un glitch là-dessus. C'est limite obligé. Et voilà, du coup, moi j'ai plus qu'une seule petite maison qui s'affiche sur la carte.
Alors fais voir comment ça se passe. Et voilà. Non, c'est le numéro 3, nous, qu'on va voir. Part à 400 000, on le connaît déjà par cœur. Il passe surtout que tous les glitches qui peuvent exister. Waouh. Vous avez vu mes voitures? Elles sont magnifiques. Surtout celle au fond. Alors... Es-tu stylé ou es-tu comme les autres? Alors là, ça sent comme les autres, à plein nez. Bravo Léo. Bravo Léo. Putain, mais il est exactement pareil, c'est le même tapis, c'est le même tapis là-bas. Les trucs qui sont en rouge, je reconnais les lampes oranges qui sont tout au fond. Le tableau rouge, il était là, le tableau bleu là-bas, il était là. Ok, tac, c'est génial. Donc dans le premier appart, je me rappelle qu'il y avait des guitares électriques ici. Ok, il y a des guitares électriques ici. Il y a les disques d'or qui sont encore ici. Ils ont fait un putain de copier-coller pour chaque appart, seulement ils sont pas dans... Enfin, ils sont pas au même emplacement à chaque fois. Bon, mais vous savez quoi, hein, Rockstar s'est vraiment pas fait chier. Ils ont juste fait un nouvel appart qu'ils ont disposé à peu près partout dans la map. Ah là là, et en mettant des prix différents. Donc vous verrez bien, je vous conseille de pas acheter d'appart de suite, maintenant vous savez à quoi il ressemble. Attendez que les glitches sortent et que comme ça vous saurez sur quel appartement les glitches sont faits le plus souvent. Ça pourra aider pour ne pas vous faire enculer 500 000 dollars. Donc maintenant on va se faire les tutures, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Allez, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. Je veux du nouveau, je veux du beau, tout beau. Un truc qui déboîte. Ouh, la petite moto. Ok, on a 4 trucs. Et vous savez quoi? On va tout acheter. Hop, le 4x4. 4x4, je les aime bien. Ah, je vais les prendre. Je vais le prendre. Hop. Acheter. Ah, faut choisir un ellipse. Hop, alors déjà toi, je t'ai acheté. Ensuite, on va prendre force. Les Zen Torno, ah celle-là elle est magnifique. Déjà quand je vois la couleur qu'il y a là, j'ai juste envie de dire une chose, je vais faire exactement la même. Elle est trop belle. Alors c'est dans le numéro 3 que je viens d'acheter. Elle coûte 725. Ça va franchement. C'est pas méchant, mais celle-là elle ressemble étrangement à l'Aston Martin. Attends, où est-ce que t'es toi déjà? Ah ouais, je me disais bien qu'elle était pas là celle-là avant. Attendez, attendez, il y en a des nouvelles. Alors, là, il y a Stinger décapotable qui était pas là avant. Mise à jour de rêve. Voltic. Ok, Voltic avec un toit. En fait, ils ont juste refait les mêmes voitures. Ils sont pas fait chier encore une fois. Donc là, voilà, le bon chien décapotable. Donc on avait dit qu'elle ressemblait vachement à la... Là. De voir. Il y a une petite ressemblance quand même, hein. Peu pour être méchant, celle-là elle est électrique, je le sens gros comme une maison. On va la prendre en blanche. Pour changer. Hop, dans le numéro 3. Donc, ah mince, j'ai oublié la moto. Hop, putain, elle par contre elle coûte vraiment pas cher. Rouge j'aime pas trop. Vas-y en rose, ça va claquer. Bon, c'est juste pour rigoler. Hein. Hop, voilà. Donc vous savez quoi, on va faire un peu plus vite plutôt que de les attendre parce que sinon la vidéo elle va durer 3 quarts d'heure. Et j'ai pas envie de vous emmerder non plus. Hop, on va sortir. Bon, on va commencer par laquelle, c'est laquelle que j'ai acheté? Le 4x4. Je pense que je vais faire du plus pourri au meilleur. Donc la Torrent, je me rappelle plus de son nom. Torontino ou je sais plus trop quoi. Antlès, il vient d'arriver. Ok, génial, j'aurais pu rester dans mon garage. Ça fait toujours plaisir de se faire couillonner. Merci, merci Rockstar. Sincèrement, c'est un jeu arcade, il faut arrêter de faire du réalisme hein, en mettant juste un peu de temps, le temps que la voiture arrive, du genre ouais, c'est la poste, on arrive. On s'en branle royalement, nous. On va préférer qu'elle spawn direct dans le garage, comme ça nous aurait pas fait chier. Alors, mécano. Dans le numéro 3, alors on a dit la Huntley S d'abord. Zen Torno, elle s'appelle la meilleure.
Alors on va l'attendre, je vais pas bouger la caméra parce que je sais très bien qu'elle va spawn dans mon cul, comme d'hab. Voilà. C'est quoi ce 4x4? On dirait un... Oh là là, non, c'est bon, j'ai mal vu. J'ai cru qu'il y avait écrit anus. Eh, sérieusement, ils auraient pas pu trouver un mot un peu mieux. Je crois qu'ils ont pas compris que ça se rapprochait un peu trop du mot anus en français, en fait. Oh là là, je te jure, ces Américains. En tout cas, c'est vrai. Oh, enfin, en fait, il est plutôt pas mal stylé. Par contre... Non, c'est bon, il est pas électrique. Parce que vu que je le trouvais vachement... futuriste un peu comme 4x4, je me suis quand même posé la question. Donc après on va se faire la moto. Oh mais il est classe. C'est un truc de gangster wesh. Alors hop, moteur, on va foutre à fond, on va tout foutre à fond comme ça moi. Hop. Allez, c'est, je fais deux jolis petits trous. Un petit anus. Explosif, ne jamais mettre ça. Alors, on a le choix entre carbone, putain mais... C'est dommage, j'aimais bien celui-là. D'ailleurs je crois que je vais mettre celui-là parce que carbone ça me fait un peu louillage. Hop. À moins qu'on puisse mettre, attendez, toi. Ah non, c'est juste une galerie, on peut pas le mettre en carbone aussi, ça m'aurait fait une couleur secondaire au milieu en carbone. Ça aurait été sympa, mais non, ils y ont pas pensé, du coup, je l'ai dans le cul. Klaxon, on s'en branle royalement, mais vu que moi je suis un débile, je vais quand même le mettre là. Voilà, Pharaoh Xenon, prévention perte vol, c'est déjà, plaque, comme d'hab, L2O, en noir. Peinture, on va se la faire de suite, donc, alors comment on fait déjà le truc? Alors déjà, faut que je choisisse ma peinture. Donc, non, c'est pas celle-là d'ailleurs, c'est celle-là. Ensuite, tu te mets sur noir, tu fais 1, 2, 3, tu vas sur plaque, tu changes une plaque, tu reviens sur peinture, tu fais couleur principale, nacré, et ça marche. Bon, vu que je vais faire l'autre en orange, je crois que je vais faire celle-là en rouge, pour changer un peu. Un rouge qui se voit assez quand même. Et je ferai le dernier avec mon rose, ça fait un violet super stylé je trouve. Mais je le ferai sur... Oh, quoique sur celui-là. Ça me donne envie. Non, je vais le faire, allez. Je vais faire comme j'avais dit. C'était lequel qui claquait bien. Celui-là qui ressort le plus. Hop, couleur secondaire, on va prendre... en métallisé pour que ça change. Bon, il est sympa comme ça. Par contre, je vais pas prendre en bleuté parce que sinon ça va faire cassos. Vu que c'est du rouge, il y a pas le blanc. Ah non, c'est que le saumon il ressortait vachement blanc, du coup j'ai pas fait gaffe. Bon, il doit être tout en bas. Ou sinon comme ça, ça fait sympa aussi je crois. Allez, on va pas s'emmerder, hop, emblème de crew. Il y aurait pas un petit bug là par hasard? Si. Putain, génial Rockstar quoi. Bon, le tour on a dit que c'était des galeries. Pff. Je mets ou je mets pas? Allez, je mets pour le fun. D'ailleurs, ils vont combien lui? Ok, que dalle. Suspension à fond, transmission à fond, turbo à fond, ou du moins tout ce qu'on peut mettre quoi. Type de roue. Je préfère prendre notre gamme là pour le coup. Je vais voir parce que j'ai pas trop envie de mettre du carbone là du coup. Ouais, allez, on va prendre déjà la Chita. On va lui mettre un joli petit rouge. Ou le blanc givre. Un joli petit rouge, allez. Y'a que dalle en rouge ou quoi? Ouais, que dalle. Ça fait pas génial je trouve.
Viens lui prendre celui-là. Allez, hop. Accessoires de roue, pneu custom. Hop. Et on va mettre fumée orange. Non, c'est plus rouge. Crew, je suis en quoi? Moi, je suis en vert. Ah oui, c'est le vert et moi, attends, non, non. Là, voilà. Et les fenêtres en limousine pour faire bien classe. Hop, les. Bah, il est sympa, franchement. Ouais, ouais, sincèrement, il est sympa. Par contre, c'est dommage qu'ils n'ont pas demandé... Enfin, qu'on puisse pas changer la calandre. Enfin, les stylés de départ, donc... c'est pas non plus... décevant, on va dire, de la part de Rockstar. Toi, tu vas être mignon. Tu restes devant moi. Hop, on va commencer à sortir le portable. Pardon mon petit 4x4, je regardais pas la route. Ne jamais conduire en étant au téléphone. Alors, on a dit ensuite qu'on prendrait la moto. Et comment elle s'appelle la moto? J'en sais rien. Du coup, j'avais pris, attends. J'avais pris en premier le Huntley. Ok, ils sont pas classés en de manière à ce que j'ai les trucs. Donc, ce que je vais commander le Huntley S en premier. Pourtant, c'est le Penumbra qui est arrivé. Première place, je crois que c'est Trust, j'en suis pas sûr, je suis trop près de mon véhicule, génial. On va s'éloigner. Là. Allez, allez, allez. Ramène-toi. Se mettre comme ça, il va se prendre dans mes fesses. Gagné. Ah, c'était la moto. J'avais raison. Ah putain, c'est vrai, elle est rose. La moto de papa. Alors est-ce qu'elle envoie le steak? Ah. Elle cabre pas énormément mais elle cabre. Ouh, elle reste même. Qu'est-ce que je fais? Allez. À changer la couleur quand même parce qu'au final ça me laisse un peu sur le cul quoi. Hop, moteur on va mettre à fond, échappement, ah c'est déjà un peu mieux, double carbone, carbone, il est où le carbone là? Je vois du titane, c'est bleu au bout. Putain, il fume chez Rockstar ou quoi? Carénage. Ah ouais, c'est vrai que c'est quand même plus stylé. Hop, on va mettre ça. Bon allez, je vais changer le klaxon pour le fun. Hop, éclairage phare xénon. Ça c'est bon. Plaque. Hop. Voilà. Peinture d'ailleurs, je vais le faire maintenant. Hop. On va mettre... Ah non, c'était pas ma couleur de crew, c'est quoi ça? C'est pas beau. Putain, je vais le changer ce truc. Mat. Bon allez. On va pas s'emmerder. Hop, c'est pour la vidéo de présentation de toute façon. Allez. Elle est pas dégueulasse comme ça non plus. L'emblème de crew, il s'est pas encore posé. Et putain, j'ai appuyé une fois trop sur rond. Combien de fois ça m'est arrivé ça? Oh là là. Bon, demi-tour. Allez, on est reparti pour un tour. J'en étais où? J'en étais à peinture. Avec un peu de chance, il n'y avait rien d'autre à faire en plus. Ah si, il y a des sacoches. Oh, c'est dégueulasse, on dirait la moto à Franklin. Ah ça, je le mets pas. Transmission. Turbo. Yes. Et en roue. Alors... Oh, ça va être comme d'hab. Ouais, des roues de moto quoi. Moi celle que j'aime bien c'est celle-là. Ils sont classe. Hop, roue arrière. Moto. Ouais, c'est bon, je les ai pas passés. On va les mettre de quelle couleur? Vu que c'est noir, je vais les mettre en blanc givre. Ouais. Non, j'ai envie que ça ressorte. Non, avec du vert. Il est où mon vert lime? Là, vert lime.
accessoire de groupe, mais custom, tac, avec une petite fumée de crew. Allez, on s'en fout, même si c'est apparemment rose. Non, c'est vrai, y a pas la... on peut pas changer la couleur des vitres. Pourtant, il y en a une, hein. C'est dommage. On pourrait la faire teinter un peu, quoi. Ça ferait classe. Ouais, elle lève pas beaucoup plus après l'amélioration, j'ai l'impression. Là, je suis en descente. Oh, si, elle lève un peu plus. Un peu plus facilement, plutôt. Ce qu'on va faire, là. D'ailleurs, j'ai déjà remarqué un bug, là. Oh putain, je suis devant chez les flics. T'es con. Je garantis une bagnole devant les flics, moi. On va s'éloigner un peu. Oui, je vous disais, d'ailleurs, j'ai remarqué un bug tout à l'heure. Vous avez pas vu quand j'ai appelé ma moto. Je suis revenu au La Santos Custom et il y avait encore mon 4x4 devant. Normalement, on n'est pas censé pouvoir avoir deux véhicules personnels qui se trouvent dehors. Donc je crois que Rockstar nous a encore ouvert un joli petit glitch. Merci à eux. Ils s'efforcent de nous patcher tous les glitchs, mais au final, c'est eux qui nous ouvrent une cinquantaine de glitchs à chaque fois. Bon alors. Los Santos Mécano. Oh non! Bon, dépêche-toi le mécano. Numéro 3, on avait dit qu'on avait pris ça, donc maintenant on va passer au... Massacro, je crois que c'est... C'est bon là. Oui, c'est ça, dépêche-toi, il y a les flics. T'es où? Lester. Bon, toi tu vas me voir. Je suis pas con. Pardon? Ok. Tu rentres dans ta voiture. Ouais, j'avais raison. Et faut arrêter là, c'est la Aston Martin. Débauché. Elle y ressemble gros quand même. C'est exactement la même presque. Alors là, ils se sont vraiment pas fait chier. Électrique. J'arrive pas à entendre avec la musique. Non, pas électrique. Bon, elle a l'air d'envoyer le steak par contre. Hop. Donc, comme d'habitude, c'est moi où j'ai pas mis le blindage, si, si. Par choc. Ah ouais, par contre, elle se custom beaucoup plus que l'autre. Toi, t'es stylé, je te veux. Ouais, franchement, elle a une bonne... Par contre, elle se custom bien. Ouais, de course. Là, ça fait plaisir. Moteur à fond. Putain, on dirait... En fait, elle a un peu les mêmes customs que... J'ai oublié son nom. Ok, juste les embouts qui changent. Explosif, on s'en fiche, les ailes. Ouh, que c'est bon, ça. Putain, je commençais à me plaindre, mais au final... Je suis bien content. C'est pas méchant, mais le carbone, c'est pas mon truc. Alors, hop, klaxon. Éclairage, comme d'hab. Oh, ils sont beaux, les feux, aussi, j'avais pas fait gaffe. Prévention perte de vol, ça a rien. Plaque. C'est bon. Hop, 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 en 500K, merci. Couleur principale, ben en fait je crois que je vais la faire assez jolie parce que elle me plaît bien. Putain, mais c'est un rose, j'avais pas du tout mis cette couleur là pour le crew, j'avais pas regardé et... On va essayer avec celle là, je vais jamais essayer. Alors hop, on va faire ça, 1, 2, 3, la plaque, on change de plaque, on fait retour, on revient en peinture, couleur principale, on va sur le nacré. Voilà. Je ne vois aucune différence. Ah si, quand même. Ah, elle est pas assez flagrante. Ah non, ça... ça me déçoit. Je vais remettre mon gris. Ah, faut que je refasse la manip. Alors, métallisé. 1, 2, 3, hop, plaque. Je reviens sur ma jolie petite plaque. Je reviens sur peinture, couleur principale. Nacré, et voilà. Bon, maintenant je vais la mettre en orange, celle-là. Là. Orange ou orange profond? Orange profond, j'aime quand c'est profond. Là. Là j'aime bien.
Ah mais les emblèmes ça marche pas, hein. Ils ont fait une connerie, je sais pas ce qu'ils ont fait mais sur aucun des véhicules ça marche. 250 000. Bas de caisse. Ouais, c'est exactement comme l'autre, j'ai oublié son nom. C'est plus stylé comme ça. Oh. Bon allez. Je vais pas chipoter. Ouh. Oh. J'aime bien ce qui est écrit dessus par contre. J'aime pas trop quand ils sont trop hauts les trucs mais. Ah mais il est marqué sur tous. Je préfère celui-là parce que le gros sur cette petite voiture. Hop. Transmission là. Turbo, là, roue, type de roue, haut de gamme, on va prendre nos vieilles habitudes, voilà, couleur des jantes, un truc qui ressort bien, c'est lequel qui va le mieux ressortir là pour le coup. Orange profond, allez, on va tout faire dans la même couleur, là, fumée de pneus orange. Et les fenêtres en limousine. Et voilà la titine, elle est custom. Bon après on va aller voir. Elle est sympa franchement. Mais elle ressemble un peu trop à la. Enfin déjà elle ressemble exactement de base. Elle ressemble exactement à la Aston Martin qu'il y avait avant. Je me rappelle plus, la Rapide GT. Mais le pire dans tout ça c'est pas ça, c'est que. Enfin non, c'est le pire. Mais ce qui fait chier c'est qu'elle a aussi les mêmes customs. En fait je trouve qu'elle ressemble vachement à la customisation de la. Je pourrais pas vous dire. Une voiture que j'avais au tout début, je m'en rappelle plus de son nom. Merci Lester, c'est gentil. Alors maintenant, mécano. Ah et oh, tu te fous de ma gueule? T'es plus censé pouvoir le dire ça. Merci. Je préfère ça. Alors on a fait Trust, ça, et on n'a pas fait la Zentor nous. On n'a pas fait la Penumbra. C'est quoi déjà la Penumbra? Attendez, je vais l'appeler. Est-ce qu'on a fait le 4-4? Ah mais non, que je suis con. Bon, allez, c'est bon, je suis parti. Je suis parti pour mon garage. Penumbra, c'est la grosse merde que je vais rentrer tout à l'heure. Ouais, voilà. Ah là là, j'adore faire des conneries. Ah putain, les buissons, on sait jamais s'ils sont mous ou durs. Un peu comme ma planète. Non mais sérieusement. Bon. On va rentrer une autre bagnole. Ça va aller plus vite. Numéro 3. La pauvre, elle a pris un coup à la gueule. Donc du coup... Oh, tu fais mal aux yeux toi. Par contre sur la photo c'est pas pour être méchant mais les pneus ils étaient orangés, ils étaient pas gris. C'est fou. Ouh. Ouh. Oh mama. Oh qu'il y a des boîtes. Alors là. Là c'était pas de la caisse futuriste. Celle-là fait mal aux yeux. Oh ils ont même fait l'intérieur. Je crois que j'ai vu tous les. Ah non c'est. Pas aussi. Ouh, il y a deux jolies petites enceintes derrière. Je sais pas si vous avez vu. Ouh, elle fait cabrer aussi. Ah, elle a pas fait cabrer. Ah si, c'est juste parce que j'avais pris un peu trop d'élan. Oh, regardez-moi ça. Oh, c'est une mini pelle la bagnole. C'est une mini pelle. Ah, par derrière, ça marche pas. Ça marche mieux qu'avec toutes les bagnoles que j'ai pu voir. Bon, en descente, c'est normal que ça marche pas. En plus, dans le cul. Ah, freine pas quand je te rentre dedans. Je voulais faire un truc marrant. Et... J'allais dire une connerie.
Bon, je vais arrêter peut-être de la cabosser, le but c'est de vous la présenter quand même. En tout cas, vous voyez? Elle est toujours là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Deux voitures dehors. Alors qu'avant c'était pas possible. Ah, elle est pas signalée comme étant ma voiture. Oh non, t'es sérieux, juste en... Ça m'a dupliqué la caisse. Oh non, elle a disparu. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Je vous jure, je le fais après. J'essaie, mais je crois sincèrement que ça me l'a dupliqué. Je vais essayer juste après et on va voir si ça marche. Parce que j'ai l'impression que ça me l'a dupliqué. Alors, bon, on va le réparer. Blindage à fond. Ah, ça m'a mis le petit... Putain, c'est pas trop tôt. Ça a enfin marché. Châssis. Ah, c'est ça. Bon, alors, soit il est en normal. Soit la couleur 1, soit de la couleur 2. On va le mettre de la couleur 2. Moteur à fond aussi. L'échappement, qu'est-ce qu'on a? Eh, c'est des trucs de barbare quand même. Regardez-moi ces pots. Celui-là, il est plus harmonieux avec tous les autres trucs. Hop. Capot. Ouais, là, ça me fera une petite couleur secondaire en plus. Klaxon musical 5, hop, éclairage, on va mettre avec. Prévention perte de balance, on branle. Peinture, on s'en branle pas du tout. Donc, on va dire mat, gris. 1, 2, 3, hop. Ah, et oh, elles sont où les plaques? Y a pas de plaque sur la voiture ou quoi? Oh non, t'es sérieux? Oh, je peux pas faire ma manip, y a pas de plaque. Ah putain, on aura tout vu là. Oh là là. C'est décevant. Je n'ai qu'une chose à dire, c'est décevant. Oh là là, c'est chiant. Bon, mais pas grave, je vais la mettre comme ça. Nacré. On avait dit... C'est en rose normalement. Voilà, le rose vif. Ah, ça claque. C'est juste dommage que ce soit pas en mat. Là, couleur secondaire. Oh, le chrome, ça ressort pas du tout. Juste sur la bande avant où ça fait pas mal, mais sinon... Ah, avec ma couleur de croc, ça ressort bien. Par contre, ça fait un peu néon. Ouh, ça fait classe quand même. Ah, là, ça fait classe. Ah, je suis pour. Emblème de croc, bon, il y est déjà. Bas de caisse. Bon. Ça fait trop classe avec ma couleur. J'avais mis, en fait, c'est... Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo avec toutes les couleurs que l'on peut avoir sur GTA. Du coup, j'ai mis du fuchsia néon. Bon, je pensais que ça allait faire un violet, pas un rose comme ça. Mais franchement, ça ressort bien. C'est vrai que ça fait vachement néon. J'aurais pas pensé. Oula, là, y a du choix. Oh. Ah, dommage qu'il ait pas foutu celui-là en couleur de... Oh, mais t'es stylé, toi. Ah, tu vois, celui-là, comme quoi je l'aime bien. Ce qui fait bien ressortir ma couleur. Mais pour le coup... Toi, je vais te prendre. Oh putain, mais elle claque. Par contre, là, ils ont fait vraiment un truc de malade sur cette voiture. Turbo à fond. Roue, type de roue. Moi... Je ne lâcherai jamais mes jolis petits pneus. Voilà. C'est dommage qu'on puisse pas les mettre en couleur de croc. Couleur des jantes. Ouais, il n'y a pas... Il n'y a pas couleur de croc. Je l'ai passé le rosif. Ouais. J'ai eu que dalle. Hein. Accessoires de roue. Pneu custom. Pneu preuve des balles. Et on va mettre... La fumée de crew. Oh là, mais oh, mais que ça claque. Bon, à tous les abonnés, à ceux qui sont dans le crew, je vous assure, cette couleur elle claque. Vous pouvez pas dire, vous pouvez pas le dire le contraire, franchement. Enfin, moi je la trouve vraiment trop stylée. Allez, c'est parti pour un tour. Donc maintenant je vais aller voir la nouvelle arme d'ailleurs. On va y aller avec celle-là parce que je sens que ça va être mon joujou préféré maintenant. Tais-toi, Alistar. Oula, par contre, elle a pas l'air... Enfin, elle est un peu chelou à conduire.
D'ailleurs, il est où le prochain amination? Je crois qu'il y en a un en face de moi là. Ah non, il est sur la route dessus. Ah là là. Bon, après, il y a des nouvelles tenues, il y a... Je crois qu'il va y avoir de nouveaux masques, bien sûr, comme d'hab. Bon, ça, je vais pas vous le présenter, hein. Sinon, la vidéo va être vraiment trop longue, et en plus, c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Ah putain, mais je regarde la carte, et du coup, j'aurai pas la route. Qu'est-ce qu'elle est classe. Salut, poteau. Bon alors, elle est où ta nouvelle? Ah, le fusil Bullpup. Bullpup. Ce nouveau fusil d'assaut chinois réputé pour sa légère et sa maniabilité fait un malheur en Amérique. Inclus dans la mise à jour VidRev. J'achète. Chargeur grande cape. Ouais, elle est une petite torche. Non, pas le silencieux à chaque fois, ça m'énerve. Une poignée. En rose, je trouve qu'elle claque trop les armes. Ça ressort bien et tout, c'est en plus c'est marrant, je trouve. En or, j'ai moyen, je vais la mettre en orange cette fois-ci. J'en ai pas en orange. D'ailleurs, je crois que j'avais pas prise... c'est quoi l'autre arme là? Je suis même pas sûr de l'avoir. Ah bah si, je l'ai. Bon, apparemment, il n'y a rien d'autre. Ouais, bon, mais c'est bon. Allez, fais-nous voir ce que t'as dans le ventre. Alors c'est normalement là-dedans. Fusible pup. Je vais pas laisser sur ma voiture. Ouais, j'ai l'impression qu'elle envoie... C'est quoi cette arme? Ah, sincèrement, c'est pas pour être méchant, mais je suis déçu. Ah, quand même, elle fume. Ah... Votre état psychiatrique empire. Quand votre stat d'état psychiatrique est élevé, les autres joueurs gagnent des RP en vous tuant. Vous vous démarquez sur la carte et devenez alors une cible de choix. Pardon? Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient parlé d'un truc comme ça, que t'avais un nouvel état, enfin une nouvelle stat, ou je sais plus comment on l'appelait. Putain, c'est ça qu'ils ont foutu. En fait, quand on commence à s'emballer un peu trop, notre joueur, apparemment, enfin à ce qu'ils disent. Il va devenir un état de choix, donc je pense que c'est un peu comme quand on a une prime sur la gueule et qu'on devient tout rouge sur la minimap. Eh bah ben, putain, je sens que ça va être beau en session normale. Les gens ils vont tous se canarder du coup. En plus on gagne des RP quand on tue. Déjà qu'on en a gagné. Oh là là, mais elle tourne pas. C'est pas possible. Ouais, c'est le souci de cette voiture, je pense. Ellipse Towers numéro 3. Ça, par contre, ça le fait pas, c'est dommage, ça le fait pas automatiquement. Enfin, ça me rentre pas automatiquement dans la tour numéro 3. Pourquoi j'ai gagné des RP là? Ça m'a fait gagner. Ça m'a enlevé les flics de rentrer dans le garage? Nouveau glitch RP? Ou c'est juste une coïncidence? Donc, ben moi, je vais vous laisser sur ça. Maintenant je vous ai montré à peu près tout ce qu'il y avait, comme ça vous achèterez pas tout et n'importe quoi, si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, vous le saurez. Bon ben voilà, moi je vais vous laisser sur ça. Maintenant vous savez comment sont toutes les nouvelles voitures et tous les nouveaux apparts pour la mise à jour 1.13 qui est le DLC Vie de Rêve. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo si vous l'avez aimé, et ciao tout le monde.